the fire, burn the fire brigade. Yo, salut tout le monde, c'est Benjamin 103O. On se retrouve sur l'attaque des Titans 2. Alors ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, je vous l'accorde, mais je suis de retour et avec plein de nouveaux jeux qui vont arriver, donc ne vous inquiétez pas. Alors sans perdre de temps, on va commencer tout de suite l'attaque des Titans 2. Alors aussi je précise, ceux qui regardent ma vidéo mais qui n'ont pas vu la saison 1, arrêtez cette vidéo tout de suite et allez regarder la saison 1, sinon je vous tarte hein, direct. Parce que c'est un des meilleurs mangas au monde, le deuxième actuellement, derrière One Piece. Et je vous le conseille. Alors, il y a une petite cinématique qui va arriver, donc je vous laisse la regarder et on se retrouve juste après cette cinématique. Oui, passe. よし、もう少し接近するぞ。装備の確認は怠るなよ。 作戦は失敗だ。次の段階に移らなきゃいけない。立体機動装置は壊れてねえな。女型の巨人を引きつけるぞ。あいつを捕らえる最後のチャンスだ。急いでくれ。 Donc voilà, après cette petite cinématique en première personne qui est vraiment excellente, je trouve, on commence à jouer. Alors, à savoir que le début du jeu, là, se passe vraiment à la fin de la saison 1. Alors, je vais vous expliquer le découpage du jeu vite fait. Il y a 5 chapitres. Le chapitre 1 explique toute la saison 1. Le chapitre 2, 3 et 4 vont expliquer la saison 2. Et le dernier chapitre, le chapitre 5, montrera le début de la saison 3. Donc, forcément,
pour accéder à la saison 2, il faut que je fasse le chapitre 1, qui est toute la première saison. Donc forcément, je ne pourrai pas vous montrer la saison 2 directement en vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que... Après ce petit prologue, je vais vous laisser une bonne partie de la cinématique. Et après, on va se retrouver dans une petite mission de la saison 1. Mais ne vous inquiétez pas, hein, je compte bien vous montrer la saison 2 et le début de la saison 3. Mais c'est pas pour tout de suite. Donc là, c'est plus un récapitulatif de la saison 1. Et bah, pas le choix, il faudra attendre. Donc là, c'était l'épisode 25 de la saison 1, quand le titan féminin est dans les murs. Et qu'elle essaie de foutre le bordel et de se barrer. Sauf qu'évidemment, pour l'instant, Eren est bloqué dans un bâtiment en ruine. Donc du coup, bah, le bataillon d'exploration doit retenir le titan féminin. Alors à savoir, ayant déjà fait le premier attaque des titans, là ça n'a rien à voir parce qu'on incarne un personnage fictif qui n'existe pas. C'est un personnage que nous, on a créé. Alors c'est plutôt bien, mais après ça dépend de comment ils ont fixé ça dans le jeu. Parce que incarner un personnage qu'on connaît pas, enfin qui n'existe pas, c'est assez bizarre. Ah, ça va être une cinématique. ここに一冊の日誌がある。ある兵士が残したというこの調査日誌は多くの人の手を渡り歩いてきたが、記録者たるその兵士がどのような人物であったのか、男性であったのか、女性であったのかすらも今となってはそれを知るすべは残されていない。 ここでは仮にその兵士を彼と呼ぶことにしよう。この日誌を通して紐解いていくのは名もなき一人の兵士の戦いの記録である。今から100年以上前、この世界に巨人が現れた。巨人と人類との間には 圧倒的な力の差が存在し、たちまち人類は絶滅の危機を迎えた。生き残った人類は巨人が越えられない強固な三重の壁、マリア、ローゼ、シーナを築き、安全な活動領域の確保に成功した。その日、 人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を、鳥籠の中に囚われていた屈辱を。
巨人だ! おい、立てるか！船まで走るんだ！ ヒャクネンの平和は突如出現した超大型巨人によって壁とともに破壊された。巨人の侵入を許した人類はウォール・マリアを放棄、その活動領域をウォール・ローゼまで後退させた。シガンシナクに暮らしていたアルミン・アルレルト、ミカサ・アッカーマン、そしてエレン・イェーガーが 第147年、巨人の襲来から2年後のことだった。巨人に全てを奪われた彼は、避難船に乗り合わせた見知らぬ少年の言葉にある決意を固める。鎧の巨人への復讐を果たし、 故郷を取り戻す。その思いを遂げるため、彼は第104期訓練兵団への入団を決めた。 Donc voilà, vous avez vu l'histoire de notre personnage. Alors elle est vraiment parallèle à celle d'Eren. Eren, lui, veut tuer tous les titans du monde parce qu'ils ont failli exterminer toute l'humanité entière. Bon, surtout parce qu'ils ont tué sa mère, ça c'est clair et net. Et notre perso, lui, en fait, veut se venger d'un titan très précis, le titan cuirassé. Parce qu'apparemment, le titan cuirassé a tué, je crois, c'est ses parents ou des amis, en tout cas, quelqu'un de proche. Et du coup, il veut rejoindre le bataillon d'exploration, tout comme Eren, pour pouvoir se venger. Voilà. Alors, j'adore le chef d'entraînement. Voilà, il a mis un coup de boule à Jean parce qu'il veut rejoindre les brigades spéciales. Donc ceux qui sont dans les murs et en sécurité. Comment tu t'appelles? Voilà, donc là, à mon avis, c'est la création de notre personnage. Voilà. Homme ou femme? Ben, un homme, hein, direct. Alors, on va pas se prendre la tête, hein. Je vais prendre une tête par défaut, hein, parce que... Si je filme cette vidéo, franchement, sinon on va en avoir pour des heures, parce que moi j'aime bien avoir un perso très précis, une coupe de cheveux, même le moindre sourire pour moi ça a de l'importance. Mais on va prendre un perso vite fait, voilà, celui-là il m'a l'air assez correct. Allez, vois, ah, c'est pas mal ça.
Ouais. Ah, j'adore. C'est le kiff. Ah, je me tape des barres tout seul là. Je peux pas m'empêcher d'imaginer les Japonais dans le studio à faire tous ces bruits bizarres là. Bon, la quatrième voix m'a l'air pas mal, hein. Alors, on va sauter toute la séquence d'entraînement, parce que je sais comment on joue à l'attaque des titans. Donc, on va zapper toute la scène d'entraînement. Alors, prénom, on va mettre Benjamin. Nom, on va mettre 103O, oui, parce que vous n'avez pas besoin de connaître mon nom de famille. Voilà. Et 103O. Voilà. Et donc maintenant, nous allons passer à la séquence de jeu, parce que nous voulons voir du jeu. Voilà. Stop, on arrête tout, on va passer cette cinématique, parce que pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1 et qui regardent malgré tout ma vidéo, je vais vous forcer à regarder la saison 1, parce que c'est une cinématique très importante. Pour les autres, ceux qui l'ont déjà vu, vous vous en foutez, hein. Voilà, vous l'avez déjà vu clairement. Donc du coup, maintenant on passe à l'attaque. Alors les développeurs de l'attaque des titans avaient dit que les commandes du jeu allaient être plus compliquées que le premier. Alors c'est vrai qu'elles sont un peu plus complexes, mais ils ont laissé quand même l'option de pouvoir changer les touches et de pouvoir les mettre comme on veut. Donc j'ai changé un peu les touches et je les ai mis comme le 1. Parce que là clairement sinon les touches sont beaucoup trop différentes. Mais là c'est beaucoup mieux. Alors, pour ceux qui souhaitent acheter l'attaque des titans 2, si jamais vous avez fait le premier, le jeu vous donne certains bonus. Parce que dès que vous allez lancer le jeu, en fait, ça va vous dire une sauvegarde de l'attaque des titans 1 Freedom Cry a été trouvée. Vous avez gagné 50 000 ressources plus des matériaux. Ah, le découpage de titans. J'adore. Certes, c'est très répétitif comme mission, mais moi, franchement, j'adore. Alors, ce qui est bien en ligne, c'est que comparé au premier, il y a 30 persos jouables. Alors que dans le premier, il y avait Eren, Mikasa, Armin, Jean, Sacha, Levi. Et c'est tout quoi. Il y en avait 7 ou 8. Alors que là, il y a 30 persos jouables. En espérant que les transformations en titan de certains persos soient disponibles. Dans le premier, on pouvait se transformer avec Eren, mais c'était le seul personnage titan qui était disponible. Alors que là, il y en a 30. Donc j'espère que les nouveaux personnages qui peuvent se transformer en titan pourront le faire. Alors, je ne sais pas si j'ai mal compris le jeu ou quoi, mais je crois qu'en ligne, maintenant, il y a un nouveau système de PVP. Donc de joueur contre joueur.
Ça reste à vérifier, mais si je me suis pas trompé, je crois qu'on peut combattre d'autres joueurs. Alors, pour ceux qui veulent savoir, ce jeu est jouable en coop à 4. Donc, c'est vraiment excellent. Après, pour ceux qui veulent savoir aussi pour les trophées, alors les trophées ne sont pas compliqués, ils ressemblent beaucoup à ceux du premier. Tout comme le premier, il y a un trophée, c'est avoir le rang S dans toutes les missions. Mais sachez que le rang S est super facile dans l'attaque des titans. Il prend trois choses en compte. Il prend le nombre de titans que vous avez tués, le nombre de missions secondaires accomplies, et bien évidemment le temps que vous avez mis à accomplir la mission. Mais vous avez largement de temps. Alors le plus chiant étant les missions secondaires, parce que vous allez arriver à la fin de la mission, et au moment où vous allez finir cette mission, bam, une mission secondaire va apparaître, et des fois ben, vous terminez la mission avant même que la dernière mission secondaire n'apparaisse. Donc des fois vous avez le A à la place du S. Donc prenez votre temps, hein, clairement, si vous voulez avoir le S de toutes les missions. Alors pareil, comparé au premier, il y a un nouveau système, c'est le système d'amitié. Vous pouvez améliorer votre amitié avec tous les persos de l'attaque des titans. Alors après, est-ce qu'il y a des récompenses par rapport à l'amitié? Par exemple, si vous montez l'amitié avec Eren, ou, je sais pas, au niveau 2 ou 3, je sais pas si vous allez gagner une arme, quelque chose, j'en ai aucune idée. Après, nouveau système, quand vous parlez à un PNJ, vous pouvez choisir vos dialogues. Par exemple, vous parlez avec Sacha de nourriture, vous pouvez lui dire, je ne sais pas moi, j'adore manger, tu n'as pas à manger pendant ton service, ce genre de choses. Franchement, je trouve que ce manga a vraiment de l'avenir. Puisqu'il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, et franchement, il a de l'avenir, il a super bien marché. Si les développeurs ne font pas n'importe quoi, le manga ira très très loin. Peut-être qu'il va dépasser One Piece, qui passera au premier manga du monde. Mais bon, pour l'instant, il est assez loin derrière One Piece, mais il est quand même deuxième manga préféré du monde entier. Donc c'est quand même déjà une grande satisfaction. Dès que j'ai connu ce manga, j'en suis devenu complètement fan. Et c'est vrai que ça change, quoi. Ah, par contre, j'aime pas du tout, voilà, quand les titans esquivent mes attaques. Là, c'est beaucoup mieux. En espérant aussi que quand j'aurai terminé la campagne, je pourrai jouer n'importe quel perso dans le solo. Parce que pour l'instant, dans la campagne, on peut seulement incarner le perso qu'on a créé. Alors, tant que j'y suis, pour ceux qui attendent impatiemment la saison 2 de l'attaque des titans en VF, alors, elle est sortie le 31 janvier en VF, mais seulement en DVD. Si vous voulez la voir en streaming, il faudra attendre le 14 avril
Elle passera à partir du 14 avril sur France 4. Alors à quelle heure, je ne sais pas encore. Je sais que la diffusion commencera le 14 avril. Mais par contre, l'heure, non, je la connais pas. Mais si c'est comme la saison 1, je pense que ça passera le vendredi soir aux alentours de 23h, 23h30. Sachant que la saison 3 est prévue pour mars, je pense peut-être que la saison 3 sortira en VF aux alentours de peut-être juillet, août, voire septembre. Ou peut-être après, je sais pas comment ça se passe. Moi après, je vous dis les informations que je connais. Après, je sais pas. Voilà, donc on va passer à un moment important. Bon, ce moment, je vous le laisse. あの岩を持ち上げられるとは思えないけど、きっとエレンには私たちを導く強い力がある。エレン、作戦失敗だ。分かってたよ。 Donc voilà, Eren s'est retransformé, mais vu qu'il vient d'acquérir sa transformation, il ne peut pas se contrôler. Donc, bah, c'est un peu le bordel. Alors dans le premier, on avait une compétence. Là, je vois qu'à l'écran, on n'a aucune compétence. Donc j'espère sincèrement qu'on aura accès aux transformations titans des autres personnages jouables. Parce que dans le premier, c'était vraiment excellent de pouvoir se transformer en titan avec Eren. Donc en espérant qu'ils ont gardé cette option dans le 2. Voilà, donc maintenant on va aller défendre Eren, même s'il a pété les plombs. Par contre, ça serait bien que tu passes la maison, allez. Alors aussi, nouveau système, maintenant on peut construire des tours. Dans le premier, les tours étaient déjà créées, on ne pouvait pas choisir lesquelles fabriquer. Maintenant, on peut choisir lesquelles fabriquer. Ce qui est plutôt pas mal dans l'ensemble. Ouais, non, je peux pas faire de dégâts Eren, d'accord. Alors, ce qui est marrant, c'est que nous, on peut se faire taper par Eren, mais on n'a pas le droit de taper Eren. On est vraiment de la chair à canon. Hein.
Découpage de nuque. Voilà. Ah, les coups critiques, j'adore. Alors dans l'ensemble, le jeu n'est pas compliqué, hein. La difficulté est vraiment quand vous ferez les dernières missions secondaires. Ok. Donc maintenant il faut défendre Eren parce qu'il s'est mis un coup de poing dans la tronche. Et du coup bah il est carrément dans les pommes. Wow wow wow, où tu vas toi? C'est un déviant, faut pas qu'il s'approche. Bon, on va lui couper les jambes. Voilà. Et maintenant, on lui coupe la nuque. Ah, les déviants sont vraiment les plus chiants parce qu'on peut pas attaquer leur nuque directement. Voilà. Ah, bah apparemment c'est bon, la mission est terminée. Oh mon dieu, il n'a pas de zizi. Mais qu'est-ce que ça? この世に生まれたからだ。 Et voilà, mission accomplie avec un S, donc ça fait plaisir. Ah, des matériaux aussi, c'est pas mal. Voilà, donc voilà le système d'amitié dont je vous parlais. Bon, apparemment, j'ai pas augmenté l'amitié de beaucoup de personnages. Alors, j'ai pas encore commencé les quêtes secondaires, mais j'ai hâte de les commencer pour voir comment ça va se passer, si c'est vraiment différent du premier. Alors, on va s'arrêter là, les amis, hein. Je ferai une autre vidéo sur la saison 2 de l'attaque des titans, mais bon, pas maintenant. Mais ne vous inquiétez pas, j'en ferai une. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à mettre un like et à vous abonner. Et on se retrouvera la prochaine fois sur un autre jeu, je ne sais pas encore lequel. Mais je vous dis à la prochaine fois, c'était Benjamin 103O. Ciao tout le monde.